Johnny. Salutations petit capitaine et grands amiraux, ici Stark à votre hôte et nous nous retrouvons pour une vidéo du premier de la classe avec le commandant Falco dans son Roma cuirassé rang 8 premium italien pour ceux qui connaissent bien. Alors ce sera une vidéo avec deux batailles, une avec le commandant Falco dans son Roma et pareil Kiri 67 dans son Roma aussi. Donc on va voir un petit peu la performance qu'ils ont avec ce puissant cuirassé, puissant. Car il est alimenté par des pâtes aux gruyères et des pizzas pepperoni. On y va. Oui, je sais, vous pouvez mettre un pouce comment dire, à l'envers si vous n'avez pas aimé ma blague. Qui était bien nulle, faut bien le dire. Qu'est-ce que nous avons dans les équipes? Lexington en face avec un North Carolina, Bismarck, Warspike, Queen Elizabeth. Donc c'est du 6 à 8, donc il est en rang supérieur. Il regarde son navire, il admire. Ah oui, il est beau mon navire. Oh, il est beau mon bateau. Cara mia. Pardon, excusez-moi. Cara mia d'ailleurs, c'est cara mia. Donc, Hipper, Miyoko, Dallas, Nuremberg, Raspi pour les croiseurs en face. Kagiro, Devni pour les destroyers. Et ça commence déjà à bastonner. Eh bah, dites donc. Ah bah, on y va alors. Hein. Et dans son équipe, il a un Shokaku, North Carolina, Roma. Donc, bien sûr, lui. Queen Elizabeth, Bayern. Et dans les. Ouais. Raté. Et dans les croiseurs, nous avons un Amalfi, un Elena, un Lander, un Nürnberg, un Aoba. Et pour les destroyers, un Cossack et un Farragut. Oula. Il pourrait lancer son avion de reconnaissance, voilà. Avec tant de cibles, faut pas gêner là. Hein. Mais il faut bien choisir sa cible aussi. Genre une cible qui va tout droit, qui soit plus ou moins cuirassée. Ouais, bon d'accord, j'ai rien dit. Non, moi j'ai rien dit, je n'insiste pas. Je prévois que de la merde. Attention, attention, il a tourné et il fallait, c'était prévisible. Ouais, le Dallas à 19 km c'est quand même un peu chaud. Hein. Moi je dirais un cuirassé à 20 et quelques. C'est quand même plus facile à toucher, surtout s'il va tout droit. Généralement ils aiment pas tourner les cuirassés. Ils aiment bien aller dans le bon sens. Ah, un hyper peut-être. Petite frappe dévaste. Ce serait sympa. Voyons voir, va-t-il toucher? Voyons-t-il? Ouais, là c'était un peu raté quand même. Dommage. On revise un Warspite. Ah oui, ça fait très très RP en fait. Très roleplay comme on dit. Un Italien qui frappe sur un Anglais. Eh. Va-t-il toucher? Attention, oui, deux sur peine. Eh oui, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Attention, attention. Ils sont bien rassemblés là-bas, c'est bien, hein. Ils font de belles cibles. Hein. Toutes de flanc en plus. Hein. Le Warspite, remettre le petit Bitonio dessus peut-être, voilà. Ouais, c'est faisable, 17 km. Je pense qu'il est un tout petit peu plus rapide, mais bon. Je peux me tromper hein, je pense que là il a bien, ouais il a bien géré, il a bien géré le coup. Voilà, 9000 points dans ta tronche, ça t'apprendra à être de flanc. Mais bon, c'est pas non plus extraordinaire hein, 9000. Ah, quelqu'un lui tire dessus, il a vu qu'il y avait un Roma qui aimait bien prendre les autres gens de flanc. Ah, il a un petit peu ralenti, il repart un peu à la hausse. Un petit peu de chance, ce petit citadel. Allez. Un peu difficile à faire sur un Warspite. 11000 points, continuons. Dans la joie et la bonne humeur, continue à être de flanc les gars, continue à être de flanc. Ah bah surtout toi le Miyoko là. Recule, vas-y recule, recule. Alors deux bases prises quand même hein. Nuremberg détruit, donc ils sont à 1-0 pour l'équipe ennemie. Ça doit pas se passer sur C quand même. Il reprend un peu de la vitesse, il va aller très très vite, de plus en plus vite. Donc le Miyoko. Va-t-il survivre à cette salve extraordinaire? 14400 et 13200. Ah bah voilà, deux citadelles hein, avec en plus deux pénétrations et trois surpénétrations. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 coups au but. Je rappelle que les citadelles, ce sont des coups à part.
des pénétrations normales. Hein. Oh oh. Alors là, le Warspite. Oula, le Dallas qui est devant. Ouh putain. Non, c'est bon. C'est bon, il a pas eu de problème. Ah, le Bismarck détruit le Bayern. Donc la bataille commence mal. Même si stratégiquement il l'emporte là. Mais tactiquement, les navires ennemis sont plus nombreux. Bon, voilà, normalement c'est fini là. Le Warspite va vite passer de vie à trépas, je pense. D'ailleurs, il a dû arrêter de tirer à la cheville, il aurait dû tirer à la paix. Et surtout, il aurait dû ne pas venir comme ça s'exposer à nouveau. Mais bon, c'est un rang 6. On peut pas trop lui en demander. Qu'est-ce qu'il a pris? Oula, qu'est-ce qu'il a pris le pauvre Warspite. Donc toujours de base prise, tranquille. Et pas menacé, hein. La base B est pas menacée un seul instant par l'ennemi. Les deux destroyers, je sais pas où ils sont, j'en vois un dans le nord. Et l'autre n'est pas visible sur la carte. Ah si, voilà. Ils sont tous les deux dans le nord, donc ils foutent rien. Oh oh, Elena détruit. Ça craint un peu quand même. Une surpeine sur je sais pas quoi. J'ai pas vu, je crois que c'était un Bismarck, mais je suis pas sûr. Ouais, non, Bismarck est là-bas. Zork Station. Au lieu de dire Workstation, il s'appelle Zork Station et il a remplacé le W par le Z. C'est pas con, c'est pas con. Ça fait, c'est un français qui a fait ça sans doute. Pour dire que ma touche W, c'est ma touche Z et nananer. Hyper. Et non pas hyper comme certains d'entre nous disent dans le clan. C'est le hyper. Hyper. Ah. Un nom allemand, monsieur. Allemand. Allure, Dallas va-t-il exploser en vol? Je ne sais pas. En tout cas, dans la flotte. Nous avons aussi un autre navire là-bas qui est débordé. Un Bismarck, le fameux Zork Station. Celui qui a son atelier avec lui. Ouais, c'est chaud quand même le Dallas là. C'est chaud. Le Bismarck semble être une meilleure cible. Il est aussi un petit peu orienté, mais c'est possible de faire très mal, surtout parce que si on tape dans le pont, on peut faire une citadelle. Mais c'est quand même rare, hein. J'ai bien avoué. Eh ben 19800 quand même. C'est pas non plus rien. Et il disparaît. Le petit coquinou disparaît, bien sûr, évidemment. Et le hyper qui disparaît aussi, mais dites donc les gars, faut vous cacher là. Bon, la bataille est gagnée s'il continue comme ça. Même si. Ah bah ouais, quoique. Ils sont quand même en perte à 4 contre 1 là. Le Bismarck s'arrête un petit peu, il veut être régénéré, je sais pas. Il prend son temps. Non, ça vaut pas le coup de tirer. Queen Elizabeth, Lexington. Ouh, Lexington. Ouais, c'est à ce coup là, on a vu le. Les petits dollars dans les yeux là. Les petits dollars dans les yeux, ça fait. Ça quand même, ça bien fait ding-dong. Mais bon, il va pas se laisser prendre à ce piège grossier. Il va attaquer le Zork Station. Vas-y. Frappe-le, frappe ce Zork Station. Ah, le Faragout est mort. Ah, 5 à 1 quand même, hein. Ça commence à venir chaud. Hein. Ah, mais tant pis, sur le Bismarck, ça va faire mal au Bismarck. Toujours pas. 12 000 points. Oh, dommage. Dommage. Mais il coule, j'ai l'impression, le Bismarck. Quoi qu'il en soit, là, il fonce vers le porte-avions pour essayer de l'avoir, je suppose. Il a 90 000 points de dégâts infligés. Il y a un petit croiseur devant. Peut-être le croiseur le premier. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. C'est mon avis. J'aurais essayé le croiseur d'abord. Mais ça, c'est moi. Parce que le croiseur, c'est un navire entier qui fout le bordel. Alors que le porte-avions, bon, il a quand même ses avions. C'est pas non plus la mort, quoi. Ouais, citadelle quand même, hein, sur le porte-avions. C'est pas rien. Nuremberg, là, portée de 13 km, 5 à 2, mais il continue à mener en termes de stratégie, en termes de victoire stratégique. Ok, ça ce sont des roquettes, donc il n'en a rien à faire, il ignore les roquettes. Vas-y, roquette-moi petit gars, roquette-moi Lydie. Allez, c'est bon. Je peux encaisser. Oh, mais bien, superbement encadré. Alors là, l'encadrement est parfait. Tir parfait d'encadrement. Ouh, on en est à 7 à 3. La bataille sont mal engagée tactiquement parlant. Mais quand même, un navire qui est très mal, c'est le Myoko. J'aurais fini le Myoko, c'est pour ça que j'aurais fini le Myoko. Ça fait un navire de moins.
Surtout que là, il peut agir le mieux, quoi. Ah, bon, il peut avoir le Nuremberg là. Fastoche. Oh, Nuremberg, ne tourne pas, ne tourne pas, tu vas te faire laminer. Bon, bah, adieu Nuremberg. Non, faut le gérer quand même. Un surpénétration, il peut quand même l'avoir. Attention, torpille du Nuremberg, toujours quand même. Queen Elizabeth a eu le Nuremberg, bravo. Eh bah, dites donc. Ce fut un petit peu, un tout petit peu laborieux. 7 à 4. Et l'équipe ennemie mène toujours tactiquement. Ah, Queen Elizabeth là est un petit coquin. Il s'est légèrement, mais très légèrement orienté. Normalement là, ça devrait quand même pénétrer pas mal quand même, si ça passe. Attention. 11 000. Ouh, du Wawil. Les torpilles du Nuremberg. Ils sont à 6 km, qu'il a tiré quand même malgré tout. C'est un peu normal, c'est une bonne guerre. Le Myoko là, il a tiré cette torpille aussi, il faut faire attention. Là, il s'est rendu compte. Ah oui, bah oui, bah oui. Le Myoko, faudrait le finir là en fait. C'est un des seuls navires qui est vraiment très bas en vie. Oh oh, là par contre, ça fait torpilles qui vont m'arriver sur la gueule. Mais je m'en fous, j'attaque quand même. Genre, je prends le risque. Je prends le risque, je m'en tamponne. La bataille pour moi est perdue de toute façon, je m'en tamponne. Enfin, elle est perdue. Elle est pas perdue, mais elle est mal engagée. Là, il faut faire très mal, très très mal au Queen Elizabeth. Très très mal. 10 000, c'est pas super mal, mais... Et là, il y a le Myoko. Il va peut-être reparaître juste derrière. Est-ce qu'il prend le risque de se mettre de flanc face au Queen Elizabeth? C'est pas évident. Oh là, le Myoko qui sort de sa cachette. Non, il s'éloigne. Donc on peut pas lui tirer dessus pour l'instant. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Rien de particulier, non, c'est le meilleur aussi pour l'instant, c'est Queen Elizabeth. Ouh, ça fait mal. points. Ouh, il répare comme un fou le Queen Elizabeth, il a réparé comme une truie quoi. Comme une reine. Une reine truie. Wow, là il tank bien quand même, le Chloroma, c'est du tanking de folie quoi. Il est tout seul hein. Myoko détruit, parfait, avec le Cossack, logique. Là, il tend comme un porc, hein. Je veux dire, il en est à 1 700 000 dommages tankés quand même. Gros calibre, normal, 150 000 points de dégâts. 771. Là, l'équipe ennemie doit rager parce qu'ils sont en supériorité numérique. Et là, maintenant, c'est là qu'ils peuvent les prendre tous de flanc. Des flambis, là, ils sont tous en flambis, là, les croiseurs. C'est le moment ou jamais, là, mon pote. Allez, vite. Ouais, c'est un tir d'opportunité là. What did you? Dommage. Ils sont tous flambis comme des flambeurs. Aïe. Ah bah oui, bah quand même. Oh là 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 là, c'est dommage. North Carolina, il est là. North Carolina. Oups. Lexington, il faut qu'il ait Lexington. Il faut qu'il le finisse. Une bordée ou deux, mais grand maximum quoi. Oh, il est rapide! Faut améliorer le tir là. Peut-être qu'il s'arrête et qu'il reparte en arrière. Non, tu veux pas? Ou alors, tu veux te faire le North Carolina peut-être, je sais pas. Ouais, c'est possible hein. North Carolina, là, c'est possible hein. Si ça fait des ricochets sur le. Là, les citadelles sont hyper faciles à prendre là, normalement. Là, il peut le faire. Non, pas de. Ah bah si. 183 000. Mais la bataille semble gagner quand même. Hein. Tactiquement parlant, elle est perdante, mais stratégiquement parlant, elle est gagnée depuis longtemps. Banzai, dit Alpha Squeeze. Lexington est mort, je pense, le Cossack va le finir. Donc déjà, ils vont arriver à peu près égalité, à peu près, hein, je dis bien. Le Cossack a fait tout le tour, hein. Bravo à lui. Bon. Lexington est foutu, je pense. Il aurait eu un croiseur avec lui, c'était bien. C'était bon, mais là. Ouh, mais là il est bon quand même, Lexington. Attention, il y a encore des avions, je pense. Hein. Allez. Il faut le finir. Il brûle pas. Une torpille peut-être qu'il va le toucher. Peut-être. Non. Juste derrière la torpille, dommage. Bon, par contre là il est mort, normalement il est mort. Hein. Ah oui, boum, voilà. Annihili, il s'appelle quand même, hein, Cossack. Annihili.
Ouais, ils reviennent, ils essayent. 962, ouh. C'est bon, elle a gagné. Mais tactiquement, ils pouvaient reprendre l'avantage, les ennemis, hein, s'ils avaient eu plus de temps. Quoique là, Graspi. Ouh, gratté. Et c'est là, ils pouvaient avoir le Graspi, là, je pense, le Leander. Je pense largement le Graspi pouvait être éliminé. Le Kagiro, pff, ouais, c'était tous sur lui, là, tous sur lui, là. Ah, normalement, le Graspi, il y passe. En tout cas, pas loin d'y passer. Ouh, oh là 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 là. Voilà, ça y est, il est mort. Graspi de flanc. Non, mais de flanc face à un Neander qui a des AP, quoi. Tu penses à quoi, là, le Graspi? C'était donc la bataille de notre cher commandant Falco dans son Roma. On va passer maintenant à la bataille de Kiri après les panels de résultats. Voici à nouveau sur World of Warships, une vidéo de premier de la classe, je disais donc, double vidéo avec cette fois le Roma. Et nous, aujourd'hui nous avons Kiri qui est en division avec moi et avec le commandant Falco. Et c'est, oui, ben bah, voilà. Ouais, bah, je ne me pencherai pas sur ma prestation, ni sur, voilà, c'est ma prestation, elle vaut ce qu'elle vaut. On va s'installer tranquillement sur le moulin à prière du Roma. Parce que tout le monde dit que c'est une canette de bière, mais non, c'est un moulin à prière bouddhiste, j'en suis persuadé. Kobayashi Matsumoto, je suis sûr que c'est un bouddhiste et qu'il a installé un moulin à prière sur le Roma. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il avait des vues particulières. D'avoir Benson qui a le camouflage de la souillure. Comment il s'appelait déjà ce camouflage de souillure du Benson? Mince, c'est pas la fureur ou je sais plus quoi là. Ah mince. Il a un nom particulier. Il y avait le lancet. C'est peut-être le lancet. Si c'est du rang 9. Non, c'est du rang 8, donc ça se trouve c'est le lancet. Je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, on s'en fiche. Pour l'instant, on a moi, Falco et Kiri. Trois Italiens donc. Mamma che. Ma commande de pizza peperoni. Oui, je sais, j'ai déjà fait encore. J'ai déjà fait. Ok. Donc, deux Amalfi. Alors, moi je montre mon Amalfi en ce moment. Enfin, au moment où je tourne la vidéo. Peut-être qu'au moment où la vidéo sera parue, enfin, paraîtra, je serai pas. Je serai déjà dans le supérieur, le Brindisi, je crois. Donc, moi je passe devant direct. Donc, notre ami Roma, notre ami Kiri, dans son Roma. Non, mais il est magnifique ce camouflage. C'est juste le moulin prière au-dessus là qui fait un peu bizarre. Quoi qu'il en soit, il a mis ses consommables grade 2. Parce que je rappelle que ce ne sont pas des consommables premium, mais grade 2. On peut dire que sont premium, bien sûr, hein, si on a envie. 746 en visée. Ouais, c'était pas la peine de tirer et de se faire remarquer. Donc, hop, on envoie l'avion de reconnaissance et on va tirer sur le Libuki ennemi. Mais malheureusement, il y a une petite montagne au-dessus. Et voilà, il y a la Lille qui n'avait rien fait. La pauvre. Ça c'est oui, nous tirons avec des SAP. Bon, on passe donc. Oh, il y a un joli minoteur là-bas. Coucou. Normalement, il y a un panel donc qui dit là ne pas de cuirassé, ne rentrez pas par là. Les cuirassés. Non, c'est interdit. C'est pas que c'est interdit, c'est que c'est pas conseillé. Non conseillé aux cuirassés. Oula, il y a encore vieux. Comment il peut être encore repéré lui? Qui le repère? C'est qu'il a tiré, je sais pas. Qu'il en soit, il se prend. Oh, 3900, ça va. Attention, tu vas te prendre le nez dans. Bah, dans quoi d'ailleurs? Dans le rocher? Oui, bah, c'est un rocher, c'est un espèce de gros roc avec des.
des sapins qui on se demande comment ils arrivent là. Mais ils sont là, les sapins. Bon, ils ont poussé là, sur un rocher. Il n'y a pas, même pas de terre, il n'y a que du roc. Bon, bien sûr, évidemment, j'exagère. Alors. Donc, il y a bien marqué. Cuirassé, n'entrez pas par là. Alors, l'équipe ami a pris A. T'es en train de prendre C pour l'équipe ennemie, prendre B aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans l'équipe en face d'ailleurs? Lexington, ok. Izumo, Musashi, Massachusetts, Bismarck pour les cuirassés. Minotaur, Bidenburg, Ibuki, Cleveland, Kutuzov pour les croiseurs, Z46 Lightning. Le Kutuzov risque d'avoir un problème. Le Minotaur, évidemment. Et dans les cuirassés, surtout le Musashi et le Massachusetts, je pense. Les autres ne pas des super problèmes. Oups, un Musashi. Et là, on entend Kiri qui fait eh merde. Il ne me tire pas dessus. Trop tard, il m'a tiré dessus. Je vais encaisser le coup avec. Stoïcisme. Des torpilles qui partent. Est-ce qu'ils vont passer devant? Est-ce qu'ils sont partis? 4 navires qui ciblent. C'est chaud quand même. Il y a aussi quelque part un cuirassé là-bas. Il a pas touché le Musashi. Eh ben d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est possible. On va pas non plus lui en vouloir. Ah oh, ça fait mal. Pour l'instant c'est Kaikai, je bats en retraite hein. Parce que là il y a un peu trop de. Là, en plus on est coincés tous les deux aussi avec le Falco et moi, on est coincés avec nos Amalfi. On passe juste derrière la montagne. Oh, le Musashi arrive, oups. Surtout qu'il ne fasse pas de zèle en tirant dans notre coque et surtout dans le gouvernail ou dans nos moteurs, ce serait pas mal. Allez, allez. Premier petit coup. Ça c'est petit coup d'annonce, voilà. Raté. Alors pourquoi il tire au-dessus sur dans les superstructures alors qu'il peut tirer dans la citadelle de la joue? Voilà, ça c'est. Heureusement que je suis parti. Le Benson a eu le Lightning, bravo. Ah oui, Musashi et un Izumo en plus qui apparaît. Il a eu très chaud là, s'il continuait tout droit c'était fini. Ou alors il rentrait en épronage. Falco est là, moi je suis ici, moi j'attendais un petit peu, voir un peu ce qui se passe pour avoir le pour C. Et on a décidé de tous partir. Pourquoi les secondaires ont sont mis en action? On est tous les trois, on est en train de se faire un embouteillage là, à trois. C'est balèze, hein, c'est la coordination a été parfaite. La coordination a été parfaite. Petit peu temps en arrière malheureusement Kiri. 1200 points. Le Bouki est très rapide, 35 nœuds je rappelle. Hein, très 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 rapide et surtout très costaud. Hein. Il a quand même, je me souviens bien, c'est quand même c'est 10 canons de 203 lui aussi. Hein. Voilà, ça fait un peu de dégâts quand même. C'est moi ou c'est Falco qui lui a mis un petit peu de dégâts? On va attendre qu'il tourne. Est-ce qu'il tourne? Non. Bon ouais, ça sert pas à grand chose de tirer là. Enfin là, ça sert plus à grand quelque chose de tirer. Voilà. Il rentre à nouveau. Ouais, 3 citadelles, une explosion. Boum, frappe dévastatrice. Bravo. Bravo, il a vraiment eu le chic du tir d'opportunité. Parce que le Minotaur a fait l'erreur de sortir de ça. Pendant, je sais pas, il a dû sortir genre 2 secondes de son écran de fumée. C'est vraiment dommage pour lui. On va pas non plus. Pas non plus le prendre en pitié. Hein. Et alors? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je crois qu'on s'en va là, hein. Ouais. On se tire. Et je suis un peu en retard moi derrière, c'est bien ce qui va me coûter la vie d'ailleurs. Des obus qui arrivent de partout. C'est toujours plaisir.
sont les ennemis. Izumo va sortir avec le Musashi. Ça va être assez compliqué. Et là, nous avons l'Ibuki qui arrive à nouveau. Et là, c'est le bon moment pour tirer. En pensant que l'Ibuki va très vite. Voilà, parfait. Magnifique. 20 000 points, ça lui apprendra. Odijou. Il n'en prend qu'une. Il n'en prend qu'une. Il y a Ndenburg ici. Musashi qui déborde par là-bas. Et, allez, Musashi et Izumo qui déborde, ça va faire très mal, je pense. Faire gaffe aussi à Lindenburg, parce que Lindenburg c'est quand même une puissance de feu à ne pas négliger du tout. Alors pas du tout. Oh, deux ricochets, deux non-pénétration. Putain, ce Musashi. Vous visez vraiment la... Ouais, là, c'est pas possible de pénétrer, là, je pense pas. Même la joue bâbord, oula, là, ça va faire mal, là. Là, je sens que ça va faire mal. Ou pas. Ouh, c'est chaud, c'était chaud. Ça va. C'est surtout Izumo, c'est vrai que là il est bien anglais Izumo pour une petite baffe là, toute petite baffe. Là, par contre le Musashi il tire encore sur le Roma, voilà 10 000 points, ça fait du bien. Les avions, un avion battu pour l'instant, tranquille. C'est bon, il peut plus tout... Oh, il le touche avec ses... J'y crois pas quoi. Non. Un peu trop en avant, voilà. Un petit peu trop en avant je pense. Tout petit peu. C'est moi après qui dit des bêtises. Oh, citadelle 2. Bravo dans la joue. Ah, j'ai rien dit. De citadelle, 3 pénétrations, 2 sur peine. Eh, mais putain. Georgia tank, c'est un peu dangereux. Oula. Le Brindisi qui est là. Indianborg a détruit un Brindisi. C'est un autre Brindisi ou c'est un... C'est un Amalfi, Wester, Zao, c'est un Zao. C'est le Zao en fait, j'ai pas vu. Oh putain. Là, Zao s'il a bien tiré, c'est bon. Mais le Roma peut aussi faire des dégâts là. Non, là il est trop lent, ouais. Dommage pour les 3 obus qui sont arrêtés. Encore 2 citadelles, mais oh là là. Oh ce trou à citadelle, Musashi quoi. Ce trou à citadelle quoi. Oh, le Georgia et le Musashi se regardent en tient de faïence. Ah, c'est foutu. Le Musashi m'a eu, et le Ibuki a eu le Georgia. Donc on en est à 4 à 3. Deux basses prises pour les amis, donc c'est à peu près cool. Ouch, Didiou. Z46 qui pense pouvoir torpiller le Roma, peut-être. Je sais pas. Une possibilité. C'est vraiment une possibilité là. Mais il a bien raté son coup quand même. J'ai pas compris comment, pourquoi il avait pas vu qu'il y avait le Roma qui était là Il est dû suicider là, c'est... 5100, on arrive à 134 000. Là il est vraiment bien placé pour allumer tout ce qui va se passer, tout ce qui passe là. Donc par exemple le Izumo là, encore une fois. Ouais, il faut qu'il tombe maintenant parce qu'on sait jamais. Ouais, t'es qu'il va retirer, il va retirer. Allez. Là, trop tard. 4500. Ouais, on en est à 7 à 4. Ouf, ouais, c'est bon. La bataille est gagnée avec 751 points de. 151 points. 751 points, pardon, excusez-moi. Donc 300 points de différence. 400 points de différence. Ouais, stratégiquement et techniquement, c'est gagné là, pour l'instant. Pour l'instant, hein. La bataille n'est jamais terminée tant que. Ouais, peut-être avancer pour tourner ses tourelles plus vite. Ouais, oh, c'est bien parti. Oh, on sent bien le... Non, oui, non. Deux navires coulés, tranquille. 154 000. Hindenburg là-bas. Il reste 7 minutes et déjà 840 points. Avec deux bases prises. 8 à 4. Ça va. 4 dont une perte qui est moi. Sniff. Kyrie 67 fait honneur au moulin à prière.
J'imagine bien les hommes d'équipage en train de faire tourner le moulin. Vite, 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 il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on s'en sorte. Massachusetts, ouh. Aïe, je sens mal pour Massachusetts, je sais pas pourquoi. Là, les obus sont super bien groupés. Oh! Citadelle 4 pénétration sur peine. Ah! J'ai des cabots sous moi à dire. Ah! Et ça, il recharge vite en plus. Il peut le finir. Non mais, cette précision diabolique. Mais diabolique, hein. 4052, 3900, on a 180 000, hein, mine de rien. 920 points. Il n'y a qu'une base qui est pas prise, mais on s'en fiche un peu. En fait, maintenant c'est la Lali. Maintenant c'est la. On chasse les ennemis qui sont très bas en point de structure. Tizek là est très très bas et SWAT 70 aussi. Je pense que c'est la fin là pour. Ah non, peut-être pas alors. On va voir. On va regarder un petit peu l'arrivée. Attention. Eh non. Dommage. 3229. Il peut le finir, moi j'ai dit. Il peut le finir. Quelqu'un va le finir avant lui peut-être. Ah bah là. La bataille a décidé avant. Donc on se retrouve pour le panel de fin et merci pour avoir regardé cette vidéo. Chers amis, chers capitaines et grands amiraux, je vous retrouve pour une autre vidéo de World of Warships ou autre. Bye bye. お前はもう死んでいる。何？